À son atterrissage au tarmac de la Monisco de l'aéroport de Benimavivi, le lieutenant-général Dimankuba Costa a été accueilli par différentes autorités militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Interrogé par la presse sur l'objectif de son retour dans les grands nord de la province, le gouverneur a rassuré d'être revenu poursuivre les opérations militaires contre les terroristes ADF, MTM et autres groupes armés encore actifs dans la région. Dans le compte des opérations et aussi c'est la vie d'instruction et des commandements que j'ai installé mon quartier général ici. Je devais vous quitter ici aussi pour d'autres territoires. Là, je viens de l'Italie, et ça fait longtemps, depuis notre arrivée ici, vu l'intensité des opérations ici au Congo, je n'ai pas pu fouler le sol du territoire de l'Italie. Je devais courir là-bas, vous savez, nous avons aussi beaucoup de problèmes à résoudre là-bas. Et de Walikale, nous sommes rentrés à Goma pour suivre aussi l'administration de la province. Voilà, nous revenons, c'est dans notre cadre. Sans ce suivi, les honneurs du détachement tanzanien de la force et la brigade d'intervention de la Monisco a valé des parts à son quartier général de Benimampanko. Il convient de rappeler que l'état de siège est à sa 11e prorogation dans le Nord Kivu, au même titre que l'Ituri, afin de permettre aux forces de défense et de sécurité d'éradiquer complètement les sécurités conformément aux instructions de leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quinze jours des travaux de construction du pont Moussoussa, exécutés par la société Garrison Construction, sur la rivière qui porte le même nom, sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu, les dix travaux évoluent très bien. C'est le conseiller principal du gouverneur de la province du Nord Kivu, Maître David Kamoua, qui a fait ce constat ce mercredi 3 novembre 2021, lors de l'inspection des travaux effectués ce matin, après que la délégation conduite par ce conseiller du gouverneur en charge des finances, travaux publics et reconstruction, a rendu les civilités au maire de Butembo. Le conseiller principal David Kamoua n'a pas à l'occasion manqué de rassurer la population et les usagers de ce pont quant à la fin des travaux. Il a souligné que le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Dima, tient beaucoup à ce que la circulation redevienne normale le plus vite possible. Donc, lieutenant-général Constant Dima tient à ce que la ville de Butembo ne soit pas isolée du reste de la province. Et c'est pour cela qu'il nous a délégué. Je pense que les travaux évoluent très normalement et malgré les pluies, nous pensons que dans un mois, une bande sera déjà opérationnelle. Projeté être construit à deux bandes, dont chacune de 6 mètres avec 12 mètres de portée, reposant sur deux culées en maçonnerie avec béton armé, ce pont sera complètement achevé dans 2 mois et demi, a indiqué l'ingénieur Safari de la société Garrison Construction, qui a exécuté ces travaux qui vont coûter à la province plus de 130 000 dollars américains. Alors, ici maintenant qu'on construit, dans 2 semaines, on va couler ça. Et dans 21 jours, ça va pas le plus. Et les gens vont apprêter ça, on va démolir la variante. Après Moussoussa, la délégation est partie se rendre compte de l'état du pont Kangote, situé à l'entrée nord de la ville de Butembo. Notons que ce pont est à haut risque depuis un temps et le gouverneur de province tient à ce que ce pont soit le plus tôt possible réparé avant qu'il ne soit délabré. D'autres ponts menacés par les érosions dans la ville commerciale ont aussi attiré l'attention du conseiller principal du gouverneur en charge de la reconstruction qui a promis donner rapport au gouverneur de province. C'est le cas du pont Vulindi, situé dans le quartier Mukalangira, à côté du marché Bwanandeke, toujours au sud de la ville de Butembo. Notons que pendant ces différentes visites d'inspection, Maître David Kamoua a été accompagné par le maire de Butembo et une équipe des ingénieurs.
parler de la tenue prochaine du festival Amani, programmé pour le mois de février 2022 à Goma. Voilà l'objet d'un échange ce jeudi 28 octobre 2021 entre la députée nationale Maggie Rouakabouba, Guillaume Bissimoi, directeur du festival, et le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima. La délégation est venue présenter le calendrier du déroulement des activités à l'autorité provinciale sous la facilitation de l'honorable Maggie Rouakabouba. Une particularité pour cette édition, sa tenue coïncide avec la fin du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Maggie Rouakabouba en parle. On n'a pas pu tenir le festival à cause de la pandémie et juste après, il y a eu éruption volcanique et puis l'état de siège. Alors nous souhaitons que ce festival puisse se tenir pour boucler l'année, le mandat du président de la République à l'Union africaine. Donc ça sera l'occasion aussi, encore une fois, de lancer le message de paix, de cohabitation entre les peuples et la paix dans notre province et dans la sous-région. Le directeur du festival Amani, Guillaume Bissimoi, répare satisfait de l'oreille attentive du chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, Guillaume Bissimoi. Je pense que la plus importante chose pour nous, c'est de tenir l'édition 2022 en format normal. C'est très très important. Les innovations pourront être vues dans les années futures. Parce qu'il faut d'abord qu'on revienne, qu'on revive encore un moment intense culturellement dans notre province. Engage-toi, engagez-vous, c'est le thème retenu pour cette nouvelle édition. La ville de Bukavu a été attaquée la nuit du 2 au 3 novembre 2021. Les hommes en armes ont attaqué quelques postes de police nationale congolaise ainsi que de l'armée. Celle-ci a vite riposté et parvenu à neutraliser 6 parmi les assaillants. 4 ont été blessés, 36 ont été capturés, 14 armes ont été récupérées. 2 militaires ont perdu la vie et un policier est tombé sur le champ d'honneur aussi. Le gouverneur de la province du Sud Kivu a présenté aux médias locaux tous les capturés ainsi que leurs armes. Pour le moment, la situation sécuritaire est sous contrôle FARDC et la population est priée d'évacuer librement à ses occupations. Les autres ennemis qui ont pris fuite sont en train d'être recherchés par les services de sécurité. De Bukavu, Major Dieudonné Kasereka pour... Depuis le lundi 25 octobre 2021, la délégation de l'inspectorat général Forces armées de la République démocratique du Congo séjourne dans la base militaire de Kitona en mission d'inspection de fin formation de militaires issus du centre d'instruction de Kitona avant leur déploiement sur terre. La délégation est conduite par le contre-amiral Bonio Maja. Aussitôt arrivés, ils ont présenté les civilités au commandant de la base militaire de Kitona et Place Monde. Il a visité les éléments sélectionnés pour la garde républicaine. Enfin, il a tenu une grande parade au champ de tir de la base militaire de Kitona, où il s'est adressé aux cadres instructeurs du centre d'instruction de Kitona et de l'école d'infanterie présent en ce lieu, ainsi qu'à la troupe. En ce terme, moni ba cadre na bino ba lobi ndengo zo monana, ce sont des gens bien formés to lambi bango to ba na moral très haut. Est-ce que moral les ali? Est-ce que moral les ali? OK, na kondi masoki os moral a sali eloko wo ebi wana pona yo kati ya so les oningana. Allez.
inspecteur, Nakatia, inspectorat général, il y a forces armées de la République démocratique du Congo. Tu représentes inspecteur général, la mission, il y a inspection, il y a une unité OYO et outils aussi de sa formation, à savoir les deux régiments, na bataillon. Bataillon Oyo et une formation de Gébinon Subozaliwana. Sur ordre, il y a haute hiérarchie. L'amiral a contrôlé chacune de ses unités jusqu'au tout dernier militaire. Il a vérifié leurs effectifs, leur formation, les conditions durant lesquelles ils ont vécu pendant leur formation. Il a y a causé avec le cadre instructeur pour déterminer le pourcentage de leur opérationnalité s'ils peuvent oui ou non descendre tuteur. Le constat fait est gardé top secret car il ne pouvait divulguer les secrets avant de rendre compte à sa hiérarchie. Suivons sa causerie avec l'un des cadres instructeurs. Brièvement, mon général, ici, nous dispensons formation militaire de base aux jeunes Congolais recrutés âgés de 18 à 25 ans. Nous avons que 6 mois de formation, mon général. Ok. En tout cas, c'était très bien passé, mon général. C'est-à-dire, très bien passé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous avions achevé notre bloc programme d'instruction. Très bien passé. Alors, il fallait maintenant passer dans le cadre de formation spécifique. C'est de là où maintenant la hiérarchie avait décidé de prendre le recul, mettre à disposition l'école d'infanterie pour spécifique. Très bien. Les blocs programmes. Très bien. Ok. Là on passe. Alors, maintenant, à la limite, à 6 mois on est en formation. Quel est le rôle de ces gens? Ici, nous sommes composés des instructeurs de différentes disons, stands. Okay. Nous avons la tactique, armement, ainsi de suite, mon général. Des brigades Ilondo et Fondo Igo, commandant 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, a successivement effectué les week-ends derniers une visite de travail au bataillon artillerie de campagne et au bataillon quartier général de la 14e région militaire. Au bataillon artillerie de campagne, le major Jérôme Lumeka, S3 du bataillon, a présenté un exposé sur la situation administrative, logistique, sociale et financière de cette unité de combat ainsi que les difficultés qu'elle rencontre pour son bon fonctionnement. À l'issue de cette séance de travail avec les officiers de ce bataillon, le Jean Ilondo a tenu une causerie morale et circonstancielle avec la troupe. Il les a invités à donner le meilleur d'eux-mêmes par la discipline, le respect des lois et de la hiérarchie. Quelques officiers ont donné leurs impressions. Les pressions ne pourraient être le meilleur. C'est la toute première fois qu'il est venu nous voir rendre visite. Nous avons posé nos désirs et il a répondu. En répondant, nous avons l'espoir que nous allons trouver des solutions. D'une façon ou d'une autre, nous acceptons. Il va répondre. Au bataillon quartier général de la 14e région militaire, le Jean Ilondo a été accueilli par le major Germain Massia, commandant intérimaire du bataillon. Peu après, le Jean Ilondo a conféré avec tous les officiers et cadres. La situation générale du bataillon a été au centre de cette séance de travail. Avant de boucler sa visite, le commandant 14e région militaire a tenu une causerie morale à l'intention de la troupe. Voilà, pour rappeler une certaine chose. C'est tout plus qu'on a pour féliciter Bino. Namsala vous avez au. Je veux aussi vous rappeler que malade il y a coronavirus et Zali. Qu'il tire il y a cache-né. Il faut que vous ayez un cache-né. Parce qu'on ne sait jamais. Malade il y a Zali Kata. C'est vous qui avez dit? Oui, dans le camp militaire, il faut vivre coulou na te. Responsabilité aux Zali a et pas Bino. Dans ma poste de garde, dans ma boutou comme moi, il faut veiller. Insécurité, dans la terre mouillée, dans la terre viol, dans la terre. On a une mission dans la vie. Et bon, ça, il y a un comme il faut. Tout ce que la population a, il y a une sécurité, il y a une chimie. Mais ici, il y a un bandit. Tout ce que nous sommes soldats et bandits en garde. Garde, les alliés, ici, quand on a une confiance, nous sommes là, la chimie. Vous avez vu que Bino Bozaliwana,
pona kokevela poste o babengi garde il faut pas négliger boyebi ke batwa kufa kiawa muninga na bina za na hôpital voilà celui-là c'est vraiment un brave ce que ça a fait c'est média il fallait qu'on fasse ça si à 2h du matin ala na poste na yeba bien ba ye alobi acte bazi ba betie masasi na ndenge pe ba fumola ye masasi muyivi moko akufi kikao tozoka na kotala na hôpital ko toka ko lukela ye ba kisi ko azana droit ya ko soigner. Signalons que cette énième visite du commandant 14e région militaire dans les unités sous son commandement témoigne de la volonté de ses chefs militaires d'être toujours à l'écoute et communier avec ses frères d'armes et renforcer ainsi les commandements. Aussitôt après, le commandant 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa s'est rendu au chevet du soldat deuxième classe Sombo Wasombo Ferdinand du bataillon QG de la 14e région militaire admis dans la salle des urgences à l'hôpital militaire centrale au camp lieutenant-colonel Kokolo pour le réconforter et le féliciter pour sa bravoure. A titre de rappel, le soldat de deuxième classe Sombo Ferdinand a été blessé à l'épaule gauche dans la nuit du 28 octobre 2021 à 2h du matin à son poste de garde lors d'un accrochage avec un groupe de bandits armés. Après avoir été touché à l'épaule, ce vaillant soldat a réussi à neutraliser l'un des bandits et récupérer une arme AK-47 avec 18 munitions. Un acte loué par les commandants 14e région militaire et l'ensemble du bataillon 4e général. L'auditeur général Pondi qui m'avait appelé. À son audience du mercredi 20 octobre 2021 tenue à la prison militaire de Ndolo, la haute cour militaire a entendu trois renseignants dans l'affaire d'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Il s'agit de général de brigade Zeloa Katanga alias Djadjidja, commissaire supérieur principal Mukala Iwamateso Daniel et Ilunga Doudou. Ce dernier a reconnu avoir participé à ce double assassinat le 1er juin 2010, tandis que le général Djadjidja, accusé d'être le propriétaire de la parcelle située à Mitindi où serait enterré Fidel Bazana, a clamé son innocence. Il en est de même pour le commissaire supérieur principal Mukalai, ancien directeur général des services spéciaux de la police nationale congolaise. Il a décliné sa responsabilité dans la commission de cet assassinat. Après leur déposition et confrontation au prévenu commissaire Migabo Kezi Jacques, les avocats de la partie civile ont sollicité la comparution du lieutenant général Yav Jean-Claude. Pour le ministère public, cette requête est inopportune car elle est fondée sur de simples renseignements. Du 24 au 30 octobre 2021, tous les responsables militaires experts de la question défense et renseignement de la communauté de développement d'Afrique australe se sont réunis à Kinshasa dans la salle des souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense. C'est le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Jean-Claude Yav, représentant personnel du chef d'état-major général, qui a présidé l'ouverture et la clôture de ces assises en présence des délégués des 15 états de la SADC. Il suffit que les états s'engagent avec détermination pour la réalisation des objectifs retenus. J'ai la ferme conviction que vos analyses et évaluation de la situation sécuritaire au niveau mondial et régional apporteront un éclairage sur les pistes de solutions appropriées. Ainsi, les conditions propices à la paix et au développement pourraient-elles s'installer durablement dans l'espace de la SADC. Tout en souhaitant à toutes les délégations un bon séjour à Kinshasa, je déclare ouvert et plein succès aux travaux de la 43e réunion du disque. À la clôture de cette 43e réunion du Comité permanent de défense et renseignement de la SADC, ce 29 octobre 2021, deux temps forts sont à relever, à savoir la passation de commandement entre le président du disque sortant, le lieutenant général José Joao Massano d'Angola, et l'entrant, le général-major Michel Mandiangou Mbala de la République démocratique du Congo. La durée de la présidence est de une année.
les conclusions des travaux et les échanges que les experts ont pu avoir au cours de cette réunion constituent, par leur qualité, certains permettant de poser les bases d'un avenir rassurant pour notre organisation régionale. Notre pays croit qu'en travaillant ensemble, dans la confiance, la tolérance et la solidarité, la SADC sera très puissante et pourra relever plusieurs défis au plan de la défense et sécurité, ainsi que du développement intégral de la région. Pour terminer mon propos, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon retour après ce bref séjour à Kinshasa. Sur ces, je déclare close les assises de la 43e réunion du disque. La 44e réunion aura lieu à Eswatini au mois de mars 2022 où le Botswana prendra les commandes de la 45e réunion. Une photo des familles a clôturé ces assises. Le 1er novembre 2021 s'est ouvert dans la base militaire de Kitona un séminaire de 5 jours, du 1er au 5 novembre 2021, concernant les commandants d'école, centres d'instruction ainsi que les directeurs d'instruction. Le séminaire a pour thème la formation de base sur la prévention du recrutement et l'utilisation d'enfants comme soldats. Organisé par le service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, CECAS en sigle. Nous signalons la participation du représentant du commandant général des écoles militaires. Le séminaire est appuyé par l'Institut d'alerte pour les enfants, la paix et la sécurité. Plusieurs mots de circonstance ont été prononcés, tels que le mot du représentant du commandant du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, CECAS en sigle, le mot du représentant du commandant général des écoles militaires, ainsi que le mot de l'officier de liaison de l'Institut d'alerte. Le lancement a été fait par le commandant de la base militaire de Kitona, adjoint en charge d'administration et logistique en ces termes. Au nom du commandant de la base militaire de Kitona, nous tenons à remercier le mot de bienvenue à la délégation et à leurs partenaires d'avoir eu l'opportunité de venir poursuivre la formation, surtout pour nos écoles. Nos écoles représentées ici par leurs commandants, je vois. Et nous demandons par la même occasion à tous les récipiendaires de bien suivre cette formation pour qu'à leur tour, ils puissent donc relayé au niveau des écoles et au niveau des unités. Cela étant, au nom du commandant de la base militaire empêché, je déclare ouvert donc les séminaires sur la prévention et l'utilisation des enfants comme soldats. Je vous remercie. En ces jours de travail dans la province du Lualaba, le commandant du 13e régiment infanterie de la garde républicaine en charge du Grand Katanga a inspecté l'évolution du travail abattu par cette unité spécialisée et en prêté serment de défendre le territoire national et faire régner la paix sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans la ville de Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba. Une marche de dissuasion a été organisée le samedi 30 octobre 2021. Le point de départ était l'entrée de l'aéroport national de Kolwezi en passant par la route Kazembe qui mène vers l'hôtel du gouvernement provincial et le rond-point Mwangeji. Ils sont passés aussi par le rond-point de l'indépendance et le rond-point Mariapolis. Le colonel Kumbi Ndombasi Daniel
et sa suite sont arrivés aussi à la poste au centre-ville, à la cité Jekamine Moussonoï, Kapata, la route bypass ainsi que la route nationale numéro 39. Cette caravane avait pour but de permettre au colonel Kumbindombasi Daniel de se rendre compte du travail abattu par la garde républicaine dans la province du Lualaba. Rappelons que la garde républicaine, avec l'appui du gouvernement provincial, est d'un apport considérable dans la traque des réseaux des bandits qui s'illustrent ce dernier temps dans le vol des câbles aux tensions de Nseke.